Bravo. Voilà, est-ce que vous pouvez vous présenter simplement? Vous êtes la famille de Ralph. Nous sommes la famille de Ralph. Je suis sa femme. Il y a sa fille Claire. Et là, en jaune, c'est sa fille Charlotte. Bonjour. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu comment vous vivez ces moments? On arrive tout près du record là. Je suis habituée à de telles épreuves, bon, pas un record du monde bien sûr, mais Ralph depuis longtemps fait des courses ultra-cyclistes, plus ou moins longues, plus ou moins intenses, et nous l'encourageons, nous le soutenons tant que nous pouvons. J'aurais bien aimé le suivre pendant le circuit, mais malheureusement avec les enfants c'est pas possible, il faut bien qu'il y ait une à la maison qui les garde, mais nous sommes moralement, nous le supportons et nous sommes là pour lui. C'est un défi un peu fou, ou qu'il n'arrive jamais à s'arrêter, votre mari, en fait? Non, il aurait voulu faire la Sibérie cette année, ce qui aurait fait environ 9000 km. Et bien, grande déception quand, à cause du coronavirus, ça a été annulé. Alors, je lui avais un peu concocté un tour de 2000 km à travers le pays pour soutenir des fonds pour l'Afrique du Sud, un pays que nous adorons tous les deux. Ça lui a donné de l'entrain, ça lui a donné envie de chercher un nouveau challenge, et l'idée est née de faire ça. Et ici, ce circuit, vous auriez imaginé qu'il puisse tenter de battre un record du monde ici? Qu'il puisse battre un record du monde, oui. Le circuit est fantastique, il est idéal, je trouve. Il est très beau, il est plat. Je n'y comprends pas trop, mais apparemment, c'est le circuit idéal. Je trouve qu'on a un super temps et Ralph était motivé. Il avait l'énergie nécessaire, il avait les kilomètres nécessaires dans les jambes. Il s'est beaucoup entraîné ces derniers temps. Et donc, qu'il puisse battre le record du monde, oui, tout à fait, j'y crois. Que vous pouvez me parler un petit peu de la performance de Ralph? Vous êtes son équipe, vous l'avez accompagné toutes les 24 heures, même la nuit. Comment ça s'est passé jusque-là? Oui, donc on a l'habitude de faire ça. Ce qui était différent ici, c'est qu'on était sur un site, donc on n'a pas dû le suivre en véhicule comme on le faisait d'habitude. Ça nous a rendu certaines choses un peu plus faciles, mais d'autres plus difficiles. Donc on a dû trouver un peu de nouveaux repères. La même chose vaut un peu pour le type d'effort qu'il a fait. Donc il est habitué à faire ce genre de laps de temps, donc 24 heures ou même plus. Mais l'intensité ici est plus grande et c'est ça qui nous a... donner quelques soucis. On a dû se poser certaines questions au niveau de la nutrition, donc on a changé certaines choses. Et il a pris presque que du fluide et il fallait assez bien balancer ça avec l'intensité de son effort, ce qui n'est pas toujours facile. Et le début, il a commencé vraiment très très fort, il est allé très très vite et là on a dû trouver nos marques un peu pour voir un peu comment ça se passe. Et vous le saviez capable techniquement physiquement de réaliser cet exploit-là? On était tous très optimistes qu'il avait les capacités de le faire et je pense que lui, il pensait la même chose, sinon il n'aurait pas essayé. Et les données scientifiques qu'on a eues par le LIPS qui ont été faites sur le site ici il y a 2 semaines quand ils ont fait les tests comme base de calculation disaient aussi que, point de vue calculation, il avait les capacités. Mais après, il y a les conditions météo, il y a la technique, crevaison, des choses comme ça. Donc, c'était jamais donné qu'il allait réussir. Là, vous n'avez pas eu de gros soucis techniques, c'est allé? Non, technique, au niveau du vélo, il n'y a rien eu du tout. Médicalement, il n'y a pas eu d'intervention. Bon, il a été piqué par une guêpe assez tôt dans la course, vers la deuxième, troisième heure. Ce qui lui a fait très mal au moment, mais par après, il ne s'en est plus jamais plaint. Et puis ce qui était vraiment le challenge, c'était de balancer la nutrition et l'intensité de l'effort, parce que le type de nutrition qu'il prend maintenant, c'est pas quelque chose qu'il prend exclusivement quand on fait les autres courses. Qu'est-ce que ça représente pour votre équipe, toutes ces performances, en fait, de le soutenir comme ça sur des défis à chaque fois un peu plus dingues? Mais c'est un peu surréaliste, hein, parce qu'à chaque fois qu'il fait quelque chose, on se dit c'est encore plus dingue, et à chaque fois il y arrive, donc c'est... Pour moi, je ne peux pas parler pour toute l'équipe, mais c'est difficile à comprendre ce qu'il fait. Parfois, quand on est revenu des États-Unis en 2018, les gens m'ont demandé « mais comment il a fait ?»
j'étais sur place, j'ai tout vu, mais c'est quand même toujours difficile à expliquer. Et ça montre vraiment qu'il est un athlète hors pair dans tous les repères. Hein. Il est vraiment très discipliné dans son entraînement, sa préparation. Et surtout pour quelque chose comme ça, le mental, c'est énorme. C'est très, très impressionnant.